Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour Uncharted 2. Alors, je précise tout de suite que ça va être un épisode en direct, donc je vais jouer en même temps que je commente. Il n'y aura que le dernier chapitre. Pourquoi? Tu vas le voir, j'ai déjà terminé le jeu. J'ai même commencé le 3. Alors, je l'ai terminé en facile, puisque ça fait pas tout à fait un an que je me suis remise au gaming, donc je me sens pas encore tout à fait d'attaque pour prendre un mode normal. Le 3, j'ai déjà commencé en facile, mais je pense que le 4, je vais essayer de me le faire en mode au moins normal. Donc, tu le vois, donc je l'ai terminé. Pourquoi je fais pas le chapitre 25? C'est qu'en fait, c'est un chapitre où il n'y a que du combat. Vraiment, ce n'est qu'une succession de combats. Et c'est pas vraiment ce que moi j'aime dans ce jeu. Du coup, je me suis dit, bon, tant qu'à faire un combat, autant faire le dernier. Comme ça, comme d'habitude, je vous montre la fin. Alors, pour te situer un petit peu l'histoire, Nathan et comment s'appelle-t-elle? Elena se sont séparés. Ils commencent l'aventure séparément. Et donc lui, en fait, entre-temps, est sorti avec une certaine Chloé qu'on va voir dans la vidéo. Et cette Chloé l'a mise en relation avec un autre mec dont j'ai complètement oublié le nom, qui bosse pour un chercheur d'or. Enfin, pour un chercheur de trésor, en gros. Et donc a engagé Nathan. Comment dirais-je? Bon, pour chercher des trésors, et évidemment, les choses ont mal tourné. Je sais pas pourquoi j'écrase les données, c'est pas grave. Je crois que c'était le dernier. Elena, comment ça va? Très bien. Ça va aller. Je compte sur toi. File vers la porte, aussi vite que possible. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Non. Non, pas question. Écoute, je dois arrêter ça. Non, c'est faux. Je t'interdis de t'embarquer dans cette croisade stupide. Fais-la sortir d'ici. Pas sans toi. Écoute, si ce truc peut vraiment transformer Lazarevitch et son armée... Non, ne fais pas ça! Si ça peut le rendre invincible et que je n'essaie pas de l'en empêcher... Mais c'est du suicide! Et tu le sais! Partez. Filez le plus loin possible de cet endroit. Chose assez étrange, je trouve que Chloé a changé de voix. Pas Chloé, Elena a changé de voix. Or, c'est la même doubleuse. Mais j'ai été assez gênée en fait par sa voix, parce qu'il y a des moments où clairement on la reconnaît et d'autres on la reconnaît pas du tout. Or j'ai regardé, c'est vraiment la même doubleuse. Donc là on se retrouve en pleine jungle, à Shambhala. Et on va aller se tuer Lazarevitch, qui est le grand méchant. Désolé, l'ami. Vous n'êtes pas mon type.
Non, c'est pas possible. Oh, et merde. Vous ne pouvez pas me battre. T'en es vraiment sûr? Donc le but du jeu, c'est de lui... En fait, l'espèce de sève bleue, là, c'est explosif. Donc en gros, faut exploser ça quand il est à côté. Relevez-vous comme un homme. Merde, mais j'arrive pas du tout à viser, là. C'est pénible. Ah, mais pourquoi ça me fait ça? Là, j'ai un truc juste là, mais... Bon, désolé, j'ai un peu de mal, c'est le fait d'enregistrer, parce que tu te doutes bien que la première fois, c'était pas du tout comme ça. C'était pas très très compliqué. Une fois que t'as la technique, en fait, c'est pas compliqué. Non, mais... Oh, lâche-moi, toi. On va essayer de m'exposer. Non, mais non, pour cette fois, je suis beaucoup trop près de moi. Ne soyons pas suicidaires. Mais pourquoi ça fait ça? Ça veut pas. Vous allez mourir ici. Mais oui. Peut-être d'ailleurs. Mais... Je le voyais pas, oui. Bon, c'est bien, comme ça je vais être mauvaise. Comme ça, ça va me permettre de commenter pendant ce temps-là. Alors, le 2, j'ai trouvé, est meilleur que le 1, à bien des niveaux. Alors, il n'y a pas énormément, j'ai trouvé, de nouveautés par rapport aux manœuvres, aux manips qu'on a à faire. Mais, voilà, le jeu est extrêmement agréable. Voilà, là, on voit bien qu'il a été tué. J'ai bien aimé le fait que... alors, en fait, celui-là, ce qu'il y a de surtout très nouveau... C'est qu'en fait, il y a énormément de coopération, puisqu'on est en coopération donc avec le mec là, au départ qui finit par nous trahir, hein, petit spoiler, et avec Chloé qui, elle, est obligée de jouer double face. Ah, mais j'ai pas le temps de tirer. Qui est obligée de jouer double face, et il y a beaucoup, beaucoup de coopération. Il n'y en avait pas autant sur le premier avec Sully. Du coup, c'est vrai que bah, j'ai trouvé ça assez agréable. Putain, mais laisse-moi tirer, peut-être. Je sais pas pourquoi. J'ai énormément de mal à viser, là. Je sais pas pourquoi. Il m'embête. Non, c'est pas lui. Lui... Ah, je suis mauvaise. Je suis désolée, YouTube. Je te jure que la première fois, ça a pas été si compliqué. Là, je suis vraiment très mauvaise. Voilà. Donc ouais, il y a énormément de coopération. Ouais, pardon. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment agréable. Et je sais que dans le 3, c'est quelque chose qui a été repris. Et c'est quelque chose qui a bien fait d'être développé. Parce que... Bah, je trouve que ça donne un aspect merde, très agréable au jeu et au gameplay. Du coup, on se sent un peu moins seul dans notre quête. Et c'est vraiment... ah, carrément, moins dégonale maintenant. Donc c'est vraiment très, très, très agréable à jouer. On est blindé de munitions, hein. Il est énervé, le monsieur, il est... Il est arrivé du mauvais côté, c'est à peu près certain. Voilà, c'était sûr. Je sais pas combien de fois faut le tuer. Je crois que quand il crie comme ça, c'est plutôt bon signe. Hein. Ça veut dire qu'il a été touché. Non, ça c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il a été touché. Donc je sais pas exactement combien de fois faut le toucher.
Mais bon, c'est pas très très compliqué. Le jeu en lui-même, bon alors certes, je suis en mode facile, hein, donc c'est plus facile pour moi de dire ça. Le jeu est pas très 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 compliqué. Hein. Où est-ce qu'il m'emmène ? Oh, ça vibre dans tous les sens. Mais voilà, ouais, ce mode coopératif, alors c'est pas vraiment... Ah, il m'a explosé. C'est pas vraiment un mode coopératif, hein, puisque bah, tu ne peux en faire qu'un des deux. Non, trop tôt. Mais c'était vraiment très très agréable. Alors, on se balade hein, un petit peu dans ce Nathan Drake. Dans ce Uncharted, plutôt. Personnellement, voilà, j'ai bien aimé les différents... Les différents levels sont pas extrêmement compliqués. Ah, oh, il me fait chier avec ses grenades, lui. Bah oui, forcément. Oh, attends, résiste, Nathan, résiste. Ah oh, non. C'est jamais arrivé. Hein. La première fois que je l'ai tué tout de suite. 2000 years later. Voilà, nous en sommes au 10e essai. J'en ai... Ah, la casquette, là ça ne me touche pas. Alors que, bah il était dessus, hein, je peux pas faire mieux que ça, je pense. Je commence à avoir envie de pleurer YouTube. Donc, non, il va pas aller par là, c'est sûr. Viens m'attraper. Je pense YouTube que je devrais arrêter YouTube en fait. Puisque c'est très prétentieux en fait de prétendre être intéressante. Je vois bien, j'ai une trentaine de vues peut-être par vidéo. Et encore, je pense que ce ne sont que des gens que je connais. Allez, viens par là, ma salope. Voilà, je pense que je suis pas très intéressante. Hein. Je pense que là, clairement. Je le sais, hein. Je pensais curieusement en fait que ça allait quand même un petit peu marcher, avoir une centaine d'abonnés, une petite communauté sympa. Mais voilà, je t'avoue que je suis très très déçue de moi. Ça me fait très mal aussi, j'aimerais pouvoir me dire mais non t'inquiète c'est pas grave, fais-le pour le fun et tout. Mais en vrai, bah, en fait je m'investis beaucoup et bah, en fait ça sert à rien. Ça sert à rien, j'ai pas de retour. Et j'aimerais pour avoir la sagesse de me dire, mais c'est pas grave, tu t'en fous. Mais en vrai, bah, j'ai quand même dépensé des sous aussi pour pouvoir capturer les images, tout ça. Et me rendre compte que derrière, j'ai absolument personne qui me suit. Et que ça n'intéresse personne. Enfin, une poignée, on va dire. Bah, en fait, c'est assez vexant. C'est assez vexant, c'est assez... voilà, déjà que j'ai pas beaucoup de confiance en moi. Vous n'irez pas contre votre destin. Mais alors je t'avoue que... ne pas avoir de suivi comme ça, c'est assez blessant. C'est blessant parce que voilà, j'y mets du temps, j'y mets du mien, je... J'essaye quoi. J'essaye, et tout comme cette vidéo en fait, tu vois, où j'en suis au 10e ou 11e essai, je sais plus. Bah ça marche pas. Donc je me demande au final si je devrais pas plus ou moins arrêter. Hein. Parce que de toute façon, quand ça manque une semaine, en fait, il y a déjà des moments où il n'y a pas de vidéo pendant une semaine et personne s'en est rendu compte. Donc voilà, c'est un peu... ouais, c'est blessant. On va pas se mentir. Ouais, c'est blessant. C'est blessant et j'aimerais être suffisamment sage. Hein, mais je te l'ai déjà dit, mais j'aimerais être suffisamment sage pour prendre du recul par rapport à ça. Mais je n'en suis pas... capable là. Ça sert à rien. Ici, ça sert à rien.
Là, ça l'a pas touché, c'est formidable. Hein. Le mec, il était dedans. Pas touché. C'est formidable. Vraiment, ce jeu me donne envie. Je te jure, hein, la première fois, j'ai pas galéré autant. Là, c'est vraiment, vraiment une grosse, grosse galère. Yes. Lazarevitch. Vous me prenez pour un monstre. Mais vous n'êtes pas différent de moi, Drake. Combien d'hommes vous avez tués? Combien rien qu'aujourd'hui? Fais ça, petit. Pas de compassion, pas de pitié. Allez. Non. Vous n'en avez pas la force. Peut-être pas. Et aussi. On ne s'étonne pas hein, que je ne prépare la difficulté autre que facile. Quand on voit que j'ai dû mettre 10 essais afin de réussir à tuer cet homme. On ne me demande pas. Je déteste quand la caméra est dans ce sens-ci. Franchement. Être capable d'anticiper, c'est quelque chose de terrible. Ah, voilà. Ah, mais non, je suis pas mort. Ah, bah maintenant, je le suis. Comme tu dis, Nathan, comme tu dis. Que t'en as fini après Lazarevitch là, mais non, non, pas encore cette séance, c'est bien. Il y a... Ah, je me rends compte. Ouais, donc ouais, qu'est-ce que tu veux, hein. Si jamais il y a des gens qui ont écouté mon palabre juste avant, bah. Laissez-moi des commentaires, contactez-moi. Dites-moi qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo. Ça fera toujours plaisir. En fait, je me demande si je devrais pas virer les vibrations parce qu'en fait, je crois que ça me gêne. Je suis très gênée parce que là, la manette vibre en permanence et ça me gêne énormément. Alors, c'est censé rajouter de l'expérience machin, mais en vrai, je crois que ça me gêne. C'est déjà suffisamment angoissant de voir l'écran. Hein. Pas de stress supplémentaire. Oh, il y a un gros bug quand même. On a fait voir. Bon. Nate, Chloé. J'ai beaucoup aimé Chloé. Même si je préfère Elena. Hein. Quoi ? Derrière toi ! J'ai beaucoup aimé
J'ai beaucoup aimé que... On la retrouve dans le numéro 3, j'étais contente. Elena, tiens bon, ok, tiens bon. Allez, reste avec nous. Tu vas t'en sortir, ok? Tout ira bien, tout va s'arranger. Elena, me fais pas ça. Elena! Il y a ce personnage-là aussi qu'on a beaucoup suivi dans, dans l'épisode. Et bon, on parle pas la même langue, mais il était très sympathique. Bon, ça a été un long et étrange voyage, tu crois pas? C'est clair. Tu devrais jouer les héroïnes plus souvent. Ça te va bien. Non. Réponds à une question, Nate. Oui. Est-ce que tu l'aimes? Chloé, je suis désolé. Non, c'est bon. Ça va, tout va bien. Juste prends le taureau par les cornes, cowboy. Dis-lui. Chloé. Non. C'est à mon tour de partir. Mais avoue-le. Ce derrière va te manquer. Hé hey, regardez qui n'aurait pas dû quitter son lit. Ouais. Tu parles d'une patiente, têtue comme une mule. Je suis pas têtue, je suis juste active. Alors, pas de saphir géant? Je le répète, non. C'est vraiment sûr? Ouais. C'est qu'une métaphore, Célie. C'est pas les métaphores qui vont t'enrichir, mon gars. Non, je trouverai autre chose. Il suffit d'y croire. Yeah. Ouais, suffit d'y croire, l'espoir fait vivre. Ah oui, parti, Chloé. À plus tard. Oh non. T'es un vieux pervers, Sullivan. Ah. T'as bien fait, Nate. Je crois qu'il serait d'accord. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, hein? Je sais pas. J'y ai pas encore réfléchi. Bien sûr que non. Et évidemment, moi non plus. Bien. Alors, sur une échelle de 1 à 10, à combien tu mesurerais ta peur que j'y reste? 4. 4? Ouais, pourquoi? Un 4? Ouais. T'étais au moins à 8. À 8? Carrément à 8. À 8? Mais ces gardiens méritaient un 8. Non, mais tu te fous de moi! Non, ils étaient flippants! Alors c'est quoi un 10? Les clowns. Des clowns? Plutôt que ma mort? Je hais les clowns. Les clowns? Je hais les clowns. C'est pas vrai! T'as cru que j'étais morte? Non! Tu as cru que j'étais fichue? Non! Si, c'est vrai! Je t'ai vu pleurer. Je maîtrisais tout. Et pas qu'un peu. Pleurer? Mm-hmm. C'était la pluie.
Non, c'est pas vrai. Tu étais dans les vapes, il pleuvait. Il faisait très beau et tu pleurais comme un veau. Il faisait pas beau et t'étais inconscient. Comme tu veux. J'ai gardé tes larmes dans un pot. Ils sont mignons. Donc voilà, écoute, désolé pour tout à l'heure. Beaucoup, beaucoup de mal hein, à faire cette fin. Alors que la première fois que je l'ai faite sans enregistrement, je l'ai fait du premier coup. Chose à noter aussi, c'est que notre ami, comment dirais-je, Lazarevitch est fait par Graham McTavish de Outlander. J'ai trouvé ça rigolo. Donc voilà, la bande son est très bien aussi, j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de belles musiques. Il y a quelques énigmes pas mal aussi. Que j'ai bien aimé. Le 3 est beaucoup plus complexe à ce niveau-là. Donc voilà, en tout cas j'espère que malgré tout cette vidéo t'aura plu, que tu l'auras regardée jusqu'au bout, et je te dis à très bientôt YouTube.